l'incertitude et la souffrance de voir la marque du monde, sa marchandisation, notre occupation aujourd'hui est très incertaine. C'est un hurlement, c'est la jeunesse qui n'a plus qu'un hurlement. Qui sont désaccord avec le trafic de la société, de l'humanité. Difficile de savoir combien d'activistes occupent ce terrain et se relaient en permanence. Ça fatigue quand même. Sans incidence, c'est une 10e manifestation en 3 mois et demi, avec cette fois un parcours modifié par la préfecture et qui s'est finalement arrêté place Jean Jaurès pour l'intersyndicale de Montparnasse des appuis. Le gouvernement ne veut rien lâcher, les syndicats n'ont plus. À Bordeaux, il s'était donné rendez-vous en gouvernement de la République sans le leader de la CGT, Philippe Martinez, finalement resté à Paris, mais plus déterminé que jamais. Ça fait quand même la 10e manifestation. On a un gouvernement qui s'entête, on ne s'essouffle pas du tout, bien au contraire. Ce qui est à noter, mais ça on le voit peut-être moins, mais ce qui est à noter, c'est qu'on a une multitude